Rebonjour, je vais, pour introduire cette table ronde, simplement réenfoncer, je pense que quelques portes ouvertes, enfin toutes les portes qu'on a ouvertes aujourd'hui, pour voilà, amener un petit peu à discussion, et ce, sur la base de ce que je rencontre moi dans mon quotidien au Centre Pompidou, sur les collections donc, du Musée National d'Art Moderne. On en a beaucoup parlé à travers des différentes présentations, je trouve, et je pense que c'est vraiment important, pour moi c'est même un peu la base, l'idée de la documentation et de l'identification en fait, des matériaux, des œuvres en polyuréthane ou pas en polyuréthane, d'ailleurs qu'on croit parfois en polyuréthane à tort. Un simple exemple de notre expansion de César, la numéro 14, qui dans le cadre de l'exposition César avait été mal identifié, mal documenté, et donc l'erreur est arrivée jusqu'au catalogue. En tant que polyester armé de fibres de verre et laqué, on a oublié le polyuréthane dans ce cas-là. Dans la même idée, mais un petit peu différemment, on a pas mal de pièces, notamment en fait dans la collection Design, qui sont dont les matériaux sont quasiment inconnus et qui sont documentés dans la base de données de manière soit pas documentée, comme on le voit pour le chapiteau Studio 65 en bas. Et on voit juste que ça a été fait par Gufram, mais c'est tout. Et peut-être pas très bien documenté ou pas suffisamment dans le cadre du Gaetano Pesce, qui est simplement décrit comme un polyuréthane expansé. Pourtant, on voit bien des dégradations, mais quand on ne sait déjà pas vraiment de quels matériaux sont faites les pièces, c'est difficile aussi d'identifier les dégradations. Ou bien, à l'inverse, une dégradation va pouvoir permettre parfois d'identifier les matériaux. Là, dans ces deux cas, on voit par exemple sous le capitello, enfin, sous le revêtement, on voit bien la mousse, qui bon, du coup n'existe pas dans la base de données, mais qui pourrait y être. Et dans le cas du Pesce, on voit une cristallisation de surface importante qui peut donner peut-être quelques indices sur la nature du revêtement. Ensuite, il y a toute la question du stockage et de l'emballage des pièces dans divers matériaux polyuréthane. Alors, c'est très large. On en a pas mal parlé ce matin, mais c'est quand même très compliqué déjà de choisir les matériaux de conditionnement et aussi de conserver tous ces objets en caisse tels quels, puisqu'ils ont quand même tendance à dégager pas mal de COV. Donc là, dans le cadre de dans l'exemple de cette pièce de Urs Fischer, on a un peu tout, une pièce très fragile à emballer, donc avec une caisse qui n'est pas forcément adaptée à sa fragilité, un revêtement de surface très collant, donc là le choix des matériaux est délicat, et qui dégage une odeur très forte au moment d'ouvrir le couvercle de la caisse. Cette même pièce peut être prise comme exemple sur, par rapport à l'exposition d'œuvres. Bon, c'est très large, hein, le polyuréthane, donc, voilà, qui vont être souvent très fragiles, notamment dans le cas des mousses rigides, donc qui vont demander de trouver pas mal de solutions de soutien. Là, on voit qu'il y a qu'il y a des câbles de nylon qui ont été utilisés pour soutenir la table. Il y a aussi quelque chose dont on a peu parlé, il me semble, dans le cas des mousses polyuréthane dégradées, la question sanitaire de respirer en fait ces poussières là, dans le cadre de l'exposition des pièces. Donc là, j'ai mis un exemple d'une œuvre de Polanski qui a été acquise. Donc j'enchaîne sur la question des acquisitions. Donc là, on voit toutes les pièces pulvérulentes. Dégradé, et donc au moment de discuter avec, bon là on avait la chance d'avoir l'artiste en direct, on a décidé de la consolider justement aussi pour protéger bon, l'œuvre et aussi le public, puisqu'on avait une très très grande surface pulvérulente à disposition des poumons de tout le monde. Ce qui m'amène aussi à parler de toutes les mesures de protection qu'on doit appliquer quand on consolide ces pièces. Là, dans le cadre de l'application du mélange Impranil et Tinuvil, protection du restaurateur, protection des œuvres à côté quand on est dans un atelier avec plusieurs pièces les unes à côté des autres. Et si on n'a évidemment pas un système d'aspiration suffisamment performant. Et toutes les questions de restaurer ou pas qui ont été soulevées dans la journée. Donc dans le cadre des objets design, donc des rembourrages en polyuréthane, est-ce qu'on les change? Est-ce qu'on les
consolide? Est-ce qu'on n'y touche pas tant qu'on a la forme préservée de nos meubles? Et je termine sur un petit exemple de où là, donc le polyuréthane a été consolidé parce qu'on avait un vrai enfoncement de la forme par Naïma Borel, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a fait un travail de diplôme sur cette pièce, justement, qui appartient au Centre Pompidou. Donc, qui a consolidé une partie simple pour l'instant, puisque c'était très grand. Et voilà, donc non, en fait, je ne concluais pas là-dessus, mais sur cette pièce-là de Tony Craig, qui, pareil, c'est une pièce qui a été acquise déjà prédégradée, puisqu'on a des objets récupérés un peu en sortie de poubelle, on va dire. Et puis très rapidement, on se dit, ben voilà, tout est quand même en train de s'effriter, qu'est-ce qu'on fait, quel temps on a face à des pièces qui sont quand même de dimensions importantes et qui sont donc là dans ce cadre-là, en stand-by à l'atelier, en attendant d'avoir le temps et les moyens de s'en occuper.